C'est dommage qu'on ne voit pas les fractions. C'est très important le moment où tu rentres, comment tu pénètres, montre ton niveau, quoi. Ouvrir le coffre comme ça au C4, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Difficile, mais pas impossible. Je suis vraiment pas pour ce genre de tactique. Tirer sur tout ce qui bouge, tadadidada, c'est... Premièrement, c'est pas réaliste et ça fait du mal au môme. Tout pendant que t'as pas les flics au cul, tout pendant que t'es pas encore repéré ou quoi que ce soit, reste normal. Salut à tous, c'est David Desclos, je suis un ancien bandit, j'ai fait 10 ans de prison. J'étais spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Avec mes amis, on cambriolait les banques la nuit, sans armes, sans violence. En 98, on a creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque. On s'est attaqué au siège social de la Société Générale à Caen, dans le Calvados. Et maintenant, je joue mon spectacle, je raconte tout ça sur scène, avec beaucoup d'humour et de dérision, mais beaucoup de messages. Donc voilà, je vais réagir à GTA V. Vous allez pouvoir aussi me donner vos avis dans les commentaires. C'est parti. L'arrivée en voiture, comme ça, ça me fait vraiment penser. Nous, c'était vraiment beaucoup de cambriolage de nuit. Quand t'arrives avec ton équipe et tout, elle est forte, l'image. T'as pas intérêt de croiser la moindre patrouille, tu sais, par inadvertance, comme ça. Sur un de nos coups, parmi tant ce qu'on a fait, on n'a même pas commencé le coup qu'on s'est déjà fait courser. On a croisé une patrouille comme ça, on est arrivé, ils nous ont semblé louches, pas. Et une coursette qui a duré, mais très longtemps. C'était une coursette de ouf. Et on était dégoûtés parce qu'on s'est fait courser, on a réussi à les larguer et tout. Mais on n'avait même pas fait le coup. Ma première pensée, c'est que tout soit bien préparé. On sait qu'on n'a pas le droit à la moindre erreur. C'est dommage qu'on voit pas les fractions. C'est très important le moment où tu rentres, parce que tu rentres pas comme ça, comme dans un manège, quoi. Et là, je trouve qu'ils auraient dû bien montrer la façon d'ouvrir la porte. C'est une bonne prise de tête, quand même. Comment tu pénètres, montre ton niveau, quoi. Alors comment je me chargerais de cette caméra-là? En amont, moi déjà, dès l'extérieur, je couperais déjà tout ce qui est télécom. Ça commence par l'extérieur. Ensuite, voilà, celle-là, je la dégommerais peut-être pas au flingue. Soit tu la casses, soit tu sais, voilà, au flingue, c'est un petit peu... Et surtout, tu récupères dans la salle la cassette ou les trucs ou voilà. Je me fais toujours cette réflexion quand je vois tous ces jeux que j'aime bien. Je trouve que les graphismes sont bien faits. Mais je rêve qu'il y ait un jeu où on montre à quel point on peut faire de super casses, des beaux cambriolages, sans utilisation des armes, en faisant marcher une technique, la tête, les trucs, tout ça. On est tombé sur une fois sur une salle de coffre. C'était ce même genre de porte, en un peu plus petit quand même. On avait l'habitude d'ouvrir des coffres forts qui étaient beaucoup plus petits. Mais on arrive dans un lieu une fois, c'était une grosse agence bancaire. Et on arrive dans la salle de coffre et on voit cette salle de coffre et la porte immense comme ça. Je dis à mon pote, laisse tomber, là, pour ouvrir ça. Il me dit non, je vais y en mettre un petit coup dans la gueule. On avait tout le matériel hein, quand même, chalumeau découpeur, disqueuse, tout. L'ancien, on était très très bien équipés. Et quand il a ouvert comme ça et je revois cette porte s'ouvrir, là je me suis dit, waouh, on est monté d'un niveau. Donc nous on avait le chalumeau découpeur, on perçait et tout, et on était que deux, et quand tu ouvres une porte comme ça, je dois le reconnaître, je veux pas qu'on me prenne pour un mytho, elle était un peu plus petite. Hein. Mais d'ouvrir une porte comme ça et d'arriver dans une salle de coffre comme ça, parce que arriver à l'intérieur, tu retombes sur d'autres coffres. Quand j'y repense, je me dis on était vraiment des chauds, on était malade. À mon époque, non, c'était surtout, nous, les sécurités, c'était vraiment les clés. Les convoyeurs avaient une clé, la banque avait une clé. Code, bien sûr, des codes, des ceci. Mais empreinte, moi, perso, je suis pas tombé là-dessus. C'est pas aussi facile de récupérer des lingots comme ça, parce que même si t'arrives à ouvrir la première porte, ils sont pas posés comme ça, allez, vas-y, servez-vous. Ça se peut, genre Banque de France ou quoi, t'arrives à atteindre vraiment la salle des coffres de la Banque de France. Oui, c'est sur des palettes et voilà, voilà. Bon, c'est le jeu, hein, c'est obligé, ils sont obligés d'apporter de l'attraction vite, vite les policiers, vite la coursette et tout ça. Une opération comme ça, tu neutralises les alarmes à l'extérieur, tu neutralises, tu as le temps de travailler, tu as le temps de bosser, tu as le temps d'ouvrir à l'intérieur les coffres, tu as le temps. Évasion à hélicoptère, comme ça, juste après un casse, le manque de réalisme, c'est une équipe très chaude. Les mecs, ils envoient du lourd, quoi. Ils ont l'hélico, ils ont ceci. Ça enlève le réel, quoi. Ils auraient dû se prendre la tête sur une course-poursuite, vraiment à la réelle, à l'ancienne. Des équipes qui se barrent en hélico, c'est quand tu prépares une évasion, là, c'est toute une préparation. Mais sur des casses, des braquages, des cambriolages et tout ça, moi, j'ai rarement vu ça. Si ça me paraît logique qu'ils aient juste une valise contre tous les lingots, moi je trouve pas. C'est pas la valise moi qui me choque. Ce qui me choque, c'est qu'ils sont encore cagoulés, à peine sortis du coup, ils font déjà la transaction. Parce que là, cagoulés, à peine le casse fait, tout le monde se dit, mais ça, papa, papa, papa. Pour moi, ça va un peu trop vite. C'est ça qui me perturbe dans le réalisme. Oh.
Oh, you're here. Why didn't they say something? Man, they never tell me nothing, you know? I'll get it open for you. C'est super bien fait, hein. Mais l'employé, le vigile qui ouvre le coffre, c'est trop facile. Un vigile qui t'ouvre le coffre, c'est bon, qu'ils aient la carte, qu'ils aient les habits, qu'ils aient ceci, on peut encore y croire. Mais ils arrivent devant le vigile qui est là, qui est censé surveiller, et qui est, c'est le vigile qui se lève et qui ouvre. Là, je dis non, stop, arrêtez. Bah, si c'est difficile d'avoir tous ces accès, cartes d'accès, combinaisons et tout, oui, c'est difficile, pas impossible. Ils peuvent avoir quelqu'un, un complice, quelqu'un qui travaille dedans et qui te donne des informations. Donner des informations, ça, beaucoup. Mais de là à donner les cartes d'accès, les lali, les là, ça, c'est très rare. Moi, j'aime pas du... Je suis vraiment pas pour ce genre de tactique. Vraiment. Tirer sur tout ce qui bouge, tadadidada, c'est. Premièrement, c'est pas réaliste c'est, et ça fait du mal au môme. Ça fait plus de mal qu'autre chose. Tout voilà, c'est pas assez faire marcher sa tête. Là, on est dans un jeu où tu cannes tout le monde. Ça tire de tous les côtés et en plus après ils se prennent la tête pour l'ouverture du truc et vont faire. Mais à partir du moment où t'as tiré dès le début où t'as tiré, dès sur le premier, mais t'as des alertes directes. Les condés ils arrivent direct. Ton casse il est foutu, t'es mort dans le film quoi. Normalement là il reste coincé dans la banque. Là en fait c'est un suicide, c'est plus un casse. Ouvrir le coffre comme ça au C4, pareil, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Difficile mais pas impossible. Moi j'étais en prison avec par exemple un gars qui il avait une équipe, il faisait que ça. C'est lui qui a peaufiné ma façon de neutraliser les armes parce qu'il était très fort à ça. Il m'a donné des cours en prison pour neutraliser les alarmes et tout. J'ai vu son dossier, il était en prison pour ça. Ils avaient écumé toute la France. C'était un ancien militaire spécialisé dans les explosifs et tout. Et il faisait que ça. Hein. I need a medic. C'est gâché. C'est gâché, autant de tueries comme ça. Tu vois la Hit, quand ils sont dans la banque dans Hit, pour moi c'est un film où il y a pas mal de choses parfaites dans ce film. Quand ils braquent la banque, la grande dernière banque avant la Courcelles, ils disent ne résistez pas, votre argent est assuré par l'État, ceux qui sont malades, mettez-vous sur le long du mur, ceux qui ont des problèmes cardiaques et tout ça. Ça c'est classe que d'arriver, papa, et ça fait plus de mal aux jeunes et tout ça, tu vois. Et c'est ce que je disais, hein. Les flics sont vite arrivés, tu vois, enfin voilà, mais encore, ils ont le temps encore de se barrer. Moi, dans une évasion, savoir s'il faut partir à toute vitesse ou rester sous le radar ou quoi que ce soit, tout pendant que t'as pas les flics au cul, tout pendant que t'es pas encore repéré ou quoi que ce soit, reste normal. Prendre le risque de partir dès le début à toute vitesse alors que tout s'est bien passé, que t'as pas les condés au cul, t'as rien et tout, et tu pars à toute vitesse et t'es susceptible de croiser une patrouille de Schmitt ou de qui sont là, qui te courent juste parce que tu pars trop vite, c'est con. Parce que ça se trouve, tu passes doucement, la patrouille, hop, si tu gardes les règles du code de la route, tu roules doucement, la patrouille, elle te prend pas. Voilà, il y a les barrages de tout va. Ça sur les courses-poursuites, moi j'adore. J'adore sur les courses-poursuites parce que c'est un peu plus logique. Normalement, si c'est aux États-Unis, t'as l'hélicoptère qui vient vite. Maintenant, les courses-poursuites sont très très dures. Il y a vite les hélicos, t'es vite cerné, ça va très vite les courses-poursuites. C'est pour ça qu'il faut bien les préparer, aller dans les zones où il y a les aéroports et tout le travail pour trouver des solutions pour pouvoir larguer les flics. Et on revient tout le temps à ces mêmes scènes qui me dérangent, moi, cette répétition de ça. Mais voilà, sinon, le graphisme est classe, il y a du lourd hein, quand même. Alors, ce que j'ai pensé de tout ça, on peut aller vers le mieux, de mieux en mieux. Il y a plein de choses qui me dérangent au niveau du réalisme, beaucoup trop de tirs encore. Insister sur des détails plus réels où le gamer va être encore plus dans le jeu, dans les tactiques et tout ça. Neutraliser les alarmes, tu vois, plus dans le réel à ce niveau-là. Faire dialoguer ton personnage, lui faire dire des belles choses, des bonnes choses, des trucs, des messages, tu vois. Voilà, c'était GTA V. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, Snapchat, YouTube. C'était pour Parole d'Expert. Merci à tous. Pareil, soyez original les gars, quoi. Tu vois, originaux, soyez originaux, on dit, c'est ça. Parole d'expert, GTA 5, à tout de suite. Oh, merde, le con. Ah, le con. Non, je recommence. Voilà, on y va tout de suite sur GTA 5. Oh, pourquoi je dis à tout de suite?